Tout au long de leur déplacement, les usagers doivent pouvoir avoir un service homogène et cohérent sur l'ensemble des axes. Gravats, sable, agrégats et marchandises présents sur l'emprise des routes empêchent une bonne mobilité. L'utilisation anarchique de la route et de ses dépendances ont conduit l'Ageroute à mettre en place une brigade routière pour la surveillance du réseau routier classé. Cette brigade sera chargée en collaboration avec la police et la gendarmerie de contrôler les différents axes de circulation, la sécurité des usagers étant une priorité pour l'Ageroute. Il y a beaucoup d'agressions sur le réseau routier. Ces agressions, je pense qu'on peut en citer les occupations anarchiques, mais également tout ce qui est coupure de chaussée et qui impacte sur la qualité de service. Aujourd'hui, il est strictement interdit d'entreprendre des travaux ou de faire une quelconque intervention sur le réseau routier, d'occuper à titre précaire ou définitif l'emprise des routes, d'entreposer, de déverser des matériaux de construction, des ordures sur l'emprise des routes ou de les salir, d'entreprendre des travaux de quelconque nature pouvant gêner les systèmes d'évacuation des eaux pluviales pour l'assainissement des routes, de circuler sur les routes avec des camions non couverts ou non étanches pouvant salir ou déverser des agrégats ou du sable sur les routes, de déverser ou pomper des eaux sur les routes, de laver des véhicules sur la chaussée ou sur l'emprise des routes, d'installer sur les emprises des routes, des commerces, des étals, des garages mécaniques, ateliers, carcasses de véhicules, etc. Une infraction à ces interdits est passible de pénalité. Au besoin, BSI peut procéder à une première intervention pouvant aller jusqu'à l'arrêt des travaux dans l'attente d'une autorisation de l'Ageroute. L'Ageroute convie toute structure désireuse d'engager des travaux sur l'emprise, d'adresser une demande à Ageroute Sénégal, instance habilitée par le ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement aux fins de délivrance des autorisations. Cette autorisation est aussi requise pour tous les projets immobiliers pouvant avoir un impact sur l'emprise des routes et notamment pour la construction de stations-service ou unités industrielles ou commerciales. Le réseau routier est notre bien commun, préservons-le.